Il menace de saisir la plancha. Imagine un peu le symbole pour le churrasco. Si seulement on avait ouvert un bar à chicha comme j'avais dit depuis le début. Papa, j'ai mis la main sur une pépite. Et tu l'as trouvée où, ta pépite? C'est vrai qu'il a un petit quelque chose, hein, le gamin. Tu sais qui donne. Avec nous, t'auras une famille. Les Pinto. Les requins sont déjà là, hein, ça rôde. Hein. Le mec là, c'est DZ. C'est le plus grand agent du foot français. Un tueur, le mec. Manu a découvert un super joueur. On voudrait que tu nous aides à lui trouver un club. Choqué pour ton frère. Mais pas un commentaire sur mon resto. C'est toi le fils Pinto? Comment vous m'avez reconnu? Bah, t'es le seul à pas avoir de blas sur ta tablette. Ah, la tombola du couillon, il a gagné le gros lot, lui. Hein. Ça vous a pas plu? Et c'est dans le bâtiment, non? Non, pourquoi? Pour rien. Et toi, t'es qui? Moi, je suis le mec qui a bouffé le pangolin, t'as vu la suite? Alors je te conseille de pas rester dans le coin, d'accord? Et toi, va compter tes cheveux, ça t'occupera. Le football, il a changé, monsieur Colonna. Oh, frérot. On est là, frérot. Ok, frérot. Dis-moi, c'est quoi cette famille de frérot? Il y a une portée ou quoi? Ouais. Je vais faire venir un ami qui est pas vraiment de la génération, frérot, hein. Monsieur Giroud. Sérieux, c'est une blague, là? Bon, écoute, si c'est pour dénigrer tout ce que je fais, on arrête tout, d'accord? Ça te dirait de changer de vie, José? Et j'aimerais que tu te fasses passer pour le directeur de foot d'un club. Sylvie, j'ai envie que tu m'admires à nouveau. Oh, ça dit quoi? Bonjour. C'est un beau gosse. C'est une histoire hors norme. Petit pas, petit pas, petit pas! J'y ai pris goût, moi, au foot business. On a pris un coup, le maillot, là. Ah, c'est la machine. Je t'en donnerai un autre, de toute façon. Merci, frérot, t'es un vrai. Merci, frère. Tu peux me passer ton slip aussi? Arrête, toi aussi, t'abuses.